Allez, bien, allez. Une petite collation juste avant de partir à l'entraînement. Ça prend des forces, hein? Hein? Tu fais quoi, ça? Oh, mon petit frère, toujours à faire le crac. Allez, c'est bon, on est prêt. Qui n'est pas bien en France? Mais en tout cas, là, t'es gradinho. Super. Donc je vous explique ce qu'on va faire comme séance aujourd'hui. On va faire une petite séance de technique. On va se rappeler les mouvements principaux, la base, petit passage, etc. Donc ça sera une séance assez tranquille. Surtout dans l'après-midi pour faire les grands tests, parce que demain c'est là qu'on saura, on aura un peu plus d'informations sur les compositions. Voilà le stade, super. Alors franchement c'est un stade de qualité, on ne demande pas plus, on ne demande pas moins. Qu'en pensez-vous les amis? Ça va. Nice. Okay. C'est nice. Right. Alors, ouais, c'est une piste qui... Ouais, elle est rapide. Comment fonctionne le relais 4 fois 100 mètres? Le relais 4 fois 100 mètres est une épreuve d'athlétisme courue dans de différentes compétitions nationales, internationales et qui figure dans le programme des Jeux Olympiques. C'est une épreuve délicate qui se caractérise par la transmission d'un témoin sous forme de bâton cylindrique dans une zone réglementaire de 30 mètres avec une perte minimale de vitesse lors de l'échange. La mise au point d'une équipe de relais de haut niveau demande une préparation rigoureuse afin de maîtriser au mieux les automatismes et la mise en action de chaque relayeur et de la transmission du témoin. La performance en relais 4 x 100 mètres dépend d'un certain nombre d'éléments parmi lesquels viennent en premier les qualités physiques qui détermine la vitesse à laquelle chaque coureur parcourt la distance qui lui est impartie, la synchronisation optimale des vitesses des coureurs, la vitesse de transmission qui doit permettre un échange rapide et précis, et le contexte psychologique et la motivation des coureurs. Regarde la distance, plus maintenant, on ne se jette pas et on garde toujours cette distance pour la transmission. Les techniques de réception du témoin. Je vais vous expliquer les deux techniques les plus répandues. La technique push-pass par le haut, la technique américaine. Le bras du relayeur est tendu à la hauteur proche de l'horizontale. La paume de sa main est orientée vers le ciel, pouce écarté des autres doigts. La transmission du témoin
par le relayé se fait du haut vers le bas, en présentant la partie avant du témoin au relayeur. Ensuite, nous avons la technique française dite par le bas. Le bras du receveur est tendu en arrière de la hanche. La paume de la main est orientée vers l'arrière, pouce écarté des autres doigts. La transmission du témoin par le relayeur se fait de bas en haut, en engageant au maximum le témoin dans la main du relayeur. Mais après, ils vont dire moi, parce que je n'ai même pas la carte. Il faut que je sente, vas-y. Hein? On a un juge. On a un juge. Fight. Marvin, c'est quoi ta main préférée? On va voir qui est qui là. Ça fait quoi? On va voir qui est qui. C'est squat jump, ok? Squat jump. On fait pas la séance en fait, on fait squat jump aujourd'hui. Alors, tu pars comme ça. Voilà. On squat jump et dès que ça fait cling, tu sautes. Ok? Vas-y, quoi? Il m'en fout d'une raquette. À qui? À fou. 47, 0, 0, 0, 0. Désolé, t'as fait un accroc. Je suis le mec. Il a mis tout le monde. Attends, viens. Tout le monde fout le raquette. Sans chauffer. J'en fais un seul. T'es prêt? Allez, Cendrillon. T'es prêt? Eh, Marvin, saute! J'en fais un seul. 51-5! C'est un nouveau record du monde! Ah, c'est bien, non? Non, mais il a gagné 4 aujourd'hui. Il a déjà fait un ouf! T'es sûr? Qui vient? Bon, allez, on finit, les gars. Qui peut passer? C'est trop tard.
Section 8. Section on the beat.